parier gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportif. Salut Benoît, salut Damien. Bonjour salut. Tout le monde. Salut. Alors au programme de cette émission de la Ligue des Champions, on va parler de la Juve qui est toujours en vie. Oui, la Juve vit toujours. Merci CR7. Merci CR7. Ouais, Benoît respire parce qu'il avait, il était en apnée pendant facile. Tout le match. Facile. Et puis bon. CR7 est là, il a été engagé pour ça, il a dit. Ouais. Ouais. Bon, je suis un peu plus déçu pour l'Atlético. Oh, surtout voilà. Pour moi, en fait. Ouais. C'est ça. On reviendra donc sur les futurs quarts de finale. Alors, on ne connaît pas le tirage au moment où on enregistre l'émission, mais ça ne nous empêchera pas de faire quelques petits constats. C'est quand, j'avoue là, c'est demain. Le tirage, c'est vendredi. C'est vendredi. Enfin, okay. C'était il y a peut-être 2 heures avant la parution de la vidéo. C'est ça. Retour vers le futur. On parlera aussi de tennis avec Indian Wells. Alors là aussi, bon, on va pas trop vous donner trop. On fera une petite analyse parce qu'il y a quelques infos peut-être sans doute intéressantes pour le reste de la saison. Oui, c'est ça. Et enfin, le tournoi des 6 nations, l'apothéose, la France va-t-elle terminer sur une défaite ou pas, hein? Alors, on a appris dans la semaine que la bonne ambiance régnait dans le vestiaire tricolore. Ce que l'équipe titrait ce matin, Serge Simon et Jacques Brunel ont tenté de destituer Guirado. L'ambiance, ah ouais. Déjà, il faut déjà que ça se passe, ça, hein, dans le vestiaire, en vrai. Espèce de putsch, là, comme ça, là. Et puis, en plus que ça sorte dans la presse. Ça, on est d'accord. Ça sent bon pour ce week-end, pour la France, en tout cas. Alors, en ce moment, l'équipe sort des trucs qui sont aussi pas franchement vérifiés. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, si c'est pas vérifié. On critique pas l'équipe. Non, je dis ça, mais bon, voilà. C'est... Ils ont sorti des articles dernièrement sur le handball qui n'étaient pas vérifiés, voilà. C'est vrai. Ok. Coup de gueule. Non, bah attends. Non, bah, lance pas vers des coups de gueule, il va faire saturer mes micros. Alors, et puis on fera un petit coup de prono, et puis peut-être, évidemment, peut-être pour les habitués de l'émission, on parlera du BBH, du Brest-Bretagne Handball, en fin d'émission, peut-être. Il y a des chances. On pourrait parler du Landerneau Basket aussi, du côté des filles. Ça, c'est dame, c'est, on en a parlé hier soir. Tous les deux, elles ont fait une perf à Lyon, donc c'était pas mal. Et on va en parler, je vais m'y pencher sérieusement. Damien va s'y pencher. Très bien. Bon allez, on commence par du foot pour pas changer, hein. Ouais. On reste dans les bonnes habitudes. On connaît les équipes qui participeront à ces quarts de finale version 2019, excite l'Atlético, excite la Ligue 1 aussi, avec le PSG et Lyon. Tant pis. Bon, voilà, ça c'était un peu plus écrit. Ouais, on va dire ça comme ça. Et on se retrouve avec quatre équipes de Première Ligue, ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans quand même. Hein, si j'ai bien entendu les stats, ouais. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu 4 équipes de Première Ligue, donc une chance sur 2 de voir une équipe anglaise remporter la Champions League. C'est con d'avoir 4 équipes et de ne pas gagner la Ligue des Champions à la fin, quoi. C'est vrai que c'est... Ouais. Mais c'est marrant, 4 équipes d'un même pays comme ça, c'est vrai que ça je me rappelais d'une des premières éditions de la Ligue des Champions où t'avais vraiment... où c'était encore en mode Coupe des clubs champions, où t'avais un pays, un club. Ouais. Mais maintenant, c'est sûr que ça... Mais oui, on peut discuter de ça, les quatre... Moi, j'en vois pas un gagner. Alors, dans les quatre, qui a le plus de chance? Je dis bien qui a le plus de chance. C'est pas qui va gagner, mais... Liverpool, pour moi. Mais après... Ouais, pour moi aussi, mais... Pour l'expérience, quoi. Oui. Mais après, je te dis, ça dépend de ton tirage en quart de finale. Donc, voilà, c'est ça. Moi, j'espère que la Juve va être épargnée et qu'ils vont se taper un Porto, ce sera pas mal ça. Parce que c'est bon, quoi, ils ont tiré le plus gros pour les 8e. Bon, j'espère qu'au quart, le vent va tourner. Je voudrais bien quoi, un Manchester City Barcelone, ça me ferait plaisir. Manchester City Barcelone, ça me ferait plaisir. Moi, t'as un gros, hop là, au revoir. Et l'équipe a pas se taper. Ajax. Ouais, on sait pas trop qu'est-ce qui peut se passer là. L'Ajax Amsterdam, on mais sait pas trop ce qui aussi, peut se passer. Mais après aussi, ces derniers temps, tous ceux qui ont fait une remontada ou un truc comme ça, autour d'après, ils ont sauté. Hein. Alors ouais, c'est ça. Hein, pour le prochain tour, voilà. Est-ce qu'il va falloir prendre en compte un petit peu ces histoires de remontada qui deviennent en fait un classique là sur ce tour de, sur ces huitièmes en tout cas, quoi. Oui, après... Écoute, je te dis, c'est remontada. Après, on va dire que voilà, là, t'effaces tout ce qui s'est passé avant, c'est reparti. Là, voilà, tout le monde repart à 0-0. Donc, mais je te dis, c'est quand une équipe va loin, c'est aussi par rapport au tirage au sort.
Voilà, faut avoir de la chance. Ça, ça par contre, faut avoir de la chance au tirage au sort. Hein. On connaît, n'a jamais eu Paris. En connaissant l'équipe de France. Hein, avec, comment on appelle ça comment on appelle ça la chance de Dédé. C'est comme ça la chance à Dédé. Non, la chatte à Dédé. Voilà, excusez-moi, j'ai cherché le. Voilà, bah là, faut en avoir un petit peu quand même. Ouais. Même si Paris en avait eu, ils n'ont pas su en profiter. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est marrant parce que chez les books, tu as 4 favos, 4 outsiders. Dans les codes, t'as Manchester City, Barcelone, Juve, Liverpool et 4 favos. Et derrière, t'as Manchester United, Tottenham, Ajax, Porto. Voilà. Ce serait rigolo qu'il y ait que les 4 outsiders se rencontrent et que les 4 favos se rencontrent. Ouais, non, mais ça serait bien. Ça serait rigolo, ça. Ouais. Bon, après, et toujours City à 3,25, quoi. Enfin, c'est... Ouais, ouais. Ouais, on va voir quand ils vont jouer contre une vraie équipe, quoi. Ouais, parce que Schalke, excuse-moi. Mais... Et d'ailleurs, Schalke... Pour ceux qui sont Schalke fans de Schalke, Null Sieben. Ouais, mais là ça s'appelle pas comme ça. Là, ils bradent les maillots, les maillots à moitié prix pour tous les fans de Schalke qui veulent avoir, parce qu'en plus ils sont pas bien en Bundesliga, ouais, je pense. Ouais, donc ça brade. Ça veut un peu de rentrée d'argent, ça brade. Donc 19,04 €, et je pense que pourquoi c'est 19,04 €, j'ai lu l'article, c'est parce que c'est la date de création du club, 1904. D'accord. Merci Benoît. Un petit peu d'histoire. Bah, je pense que c'est... Franchement, j'ai bien fait d'être venu. Ouais, j'ai envie d'applaudir. Si je me rappelle bien de l'article que j'ai lu, c'est ça, qui n'a aucune importance quand vous pariez. Mais enfin, bon, ouais, voilà, c'est cadeau. Allez, c'est offert. Ouais. Je sais pas comment on continue après ça. Mais ouais. Quoi, un peu d'histoire et ça fait. Mais t'as raison. Non, ouais. Pour revenir sérieusement, moi je suis content pour la Juve et je vois. J'aimerais bien moi un Barcelone-Juve en finale. Ah, en finale, t'es gentil. Heureusement. Mais j'ai dit en finale. En finale. En finale. Sinon tu vas pleurer, tu risques de. En finale. Mais moi j'ai mis mes deux paris, c'est Juve et Barcelone de toute façon. Ouais, moi je pense que c'est pas mal. Mes deux PLT. C'était quand que t'as mis sur la Juve? La Juve, je l'ai mis quasiment au début. En début d'année tout début. Quand on dit début d'année, c'est au début de saison. C'était à combien à ce moment-là? 12, 13, 14 13, ouais. Je 13, je l'ai eu. Et le Barça, en début d'année, c'était un peu moins. C'était un peu moins que la Juve. Ouais. Ouais. Attends, je peux te dire ça. Je peux te dire ça. Ils étaient à... Entre 8 et 10. Ils sont... 7, je crois, un truc comme ça. Bon, bah... C'est bien les recherches. C'est hyper radiophonique. Ils étaient à 7. Tu mettras une petite musique d'ascenseur. Radiophonique et on est filmé là. En plus. Voilà. Ça donc, faisait longtemps. 7, ouais, ils étaient juste. Ouais, ils étaient 3e favo, je pense. Ouais. Comme ça. Et à 6 et des brouettes avant le match retour. C'est ça. Donc voilà. Là, il y a. Je te dis, il faut attendre le tirage au sort et on en parlera la semaine prochaine, comme ça, pour voir un petit peu ce qui est sorti et ce qui pourrait être possible de faire. Très bien. On clôt ce point Ligue des Champions. Allez. Un petit mot quand même de l'équipe de France là. T'en parlais rapidou là. Oui. Hein, on a eu la sélection là. Ah, il est 14h. Ah, tu l'as. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ah bah tiens, faites une recherche. Hein, c'est radiophonique. Non. Il y a le retour de. Alors, retour vas-y. De Coman. Ah d'accord. Ouais. Et alors, retour de Kurzawa. Alors là, c'est quand même bizarre. Okay. Bon ouais. Bref, voilà. Il y a tellement de personnes. Et de Zuma aussi. Hein. Et Zuma aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une équipe c'est prête équipe à l'abordage de l'Euro 2016. Ah ouais. Allez, hein, bah, mettez en commentaire là, par rapport à l'équipe de France, qu'est-ce que vous en pensez? Mathieu Vaudemur, bah, attends, on parle quand même d'un match à l'extérieur en Moldavie. Pardon, Jerry. Moldavie. Moldavie à 17. Ouais, ouais. Turquie, Moldavie, Andorre, Albanie. Bon, ok, Islande. Ah, Islande. Ok, et oui. Et après l'histoire, à domicile. J'avais zappé le. Bah écoute, hein, on verra bien. De toute façon, si on n'arrive pas à finir premier de cette poule. Bah d'ailleurs, tiens, on verra ça. Je ferai des recherches pour la semaine prochaine. Je ne sais même pas combien on est côté pour sortir premier de la poule. Mais ça peut être intéressant. J'avoue que je n'ai pas cherché. Je n'ai pas regardé. Je ferai ça pour la semaine prochaine. Très bien. On passe. Alors, on s'était dit à un moment donné dans cette émission qu'on parlerait de biathlon. Bon, rapidou, les championnats du monde se terminent. Bah. Ouais. J'avoue que je me suis pas vraiment intéressé, c'est pour ça que j'ai pas pu analyser, on dit concrètement. Voilà, mais la France, c'est pas terrible. Non, voilà. Ouais. On va dire ça. Hein. Fourcade passe. Fourcade complètement aussi. C'est bon. Voilà. Hein. Est-ce que c'est pas la fin d'une ère? Non, mais voilà. Après ça peut être une année. Östersund sera le Naïsna du biathlon français. Voilà, à voir un petit peu ce qui peut se passer par la suite, mais bon, ça n'empêche pas que ce soit un grand champion, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais chez les femmes, on a réussi à avoir quelques médailles, quelques podiums, pardon, excuse-moi. Voilà, mais sinon, ouais, ce ne sera pas les championnats à retenir pour l'équipe de France.
Et à la place, du coup, on va parler de F1. Ouais. Oui, un peu de F1, parce que c'est aussi t'as du biscuit. Oh. C'est aussi le départ, enfin le départ de la saison. Oui, on part direction l'Australie. Donc là, c'est pour les couche-tôt ou les lèvres. Ouais, les couche-tôt. Non, les. Ouais, ou. Les lèvres-tôt. Les lèvres-tôt, pardon. Est-ce que c'est pour les somnambules? C'est pour les lèvres-tôt. Ouais, c'est pas sûr qu'ils voient. Il faut avoir Canal déjà aussi. Hein, pour ouais. Mais intéressant cette année, pourquoi? Parce qu'on a un petit Français. Oh, un petit Français. Monégasque, excusez-moi. Pour les... Voilà. Charles Leclerc qui. Bah écoutez, cette année, hein, il a une bonne bagnole. Il est chez Ferrari quand même. Ouais, enfin. Donc qu'est-ce que. On va peut-être voir un Français sur un podium, voir la première marche. Ça fait très longtemps, je pense. S'il gagne, ça fait quoi comme hymne alors du coup? Bah Monaco. Alors je sais pas ce que c'est l'hymne de Monaco. Non, j'en sais rien. C'est pour ton astuce. Hein? Je pense au tuche. D'accord, faut avoir connais, vu le film. Tu connais. Faut avoir tu vu la le connais, film. Fais-la. Faut avoir non, vu le film. Fais-la, fais-la, parce que mais au Monaco. Non, mais c'est. Et il sera intéressant de suivre au Grand Prix de Monaco, tiens, ça, ouais, tu vois, ça, cette année. Parce que le dernier en date, je crois, c'est Olivier Panis. De sa. Oula! Oula, ouais. Et c'était une victoire surprise à l'époque, ça, d'ailleurs. Ça bah, remonte, tout le monde, ça. Il y a eu plein d'accidents, il est passé. Voilà. C'est. Oui, voilà, il a su tirer son épingle du jeu. Mais ouais, donc intéressant, Ferrari, bah Ferrari, là, sur les tests qu'on a vus, là, en ce début de saison, bah écoutez, ils sont en avance. Ils sont en avance par rapport à leurs rivaux, je sais pas comment on peut dire ça, des dernières saisons que sont Hamilton et puis les Merco, comme je disais, Mercedes. Ouais. Donc c'était voilà, c'est peut-être intéressant de voir Ferrari champion. Bon alors hein, normalement c'est Vettel 1 et Leclerc numéro 2 dans l'équipe. D'ailleurs, je pense que Leclerc est numéro 2. Pour que Vettel soit tranquille et qu'il n'a pas quelqu'un pour le gêner. Peut-être aussi, mais il allait dans l'ongle, le garçon. Donc, on va. Voilà, c'est à voir un petit peu ce que ça peut. C'est mon avis après. Oui, mais normalement, Vettel, voilà, ce sera le pilote numéro 1. Là-dessus, il n'y a pas photo. On a d'autres Français qui vont être de la partie. Gasly qui a fait une très bonne saison de toute façon l'année dernière. On va voir un petit peu ce que ça va donner cette année. Pour aussi ceux qui aiment bien les voitures, ben il y a le retour d'Alfa Romeo. Ouais, je sais pas que vous avez comme caisse, les gars. Mais il y a un retour des Alfa Romeo. Non, mais c'est. Non, tant qu'il n'y a pas de course de Fuego, je m'intéresse pas à la F1. De Dacia. Ah, parce que toi, t'es une Fuego. De Dacia. Donc, voilà, très intéressant. Très intéressant à suivre, parce que c'est quand même une grande marque automobile, on va dire, Alfa Romeo. Ouais. Avec les plaques là, sur le côté, j'ai jamais compris. Enfin, c'est les seuls qui n'ont pas les plaques. Avec Raikkonen en plus. Au milieu. Ouais, c'est ça, c'est Raikkonen qui est parti là-bas et puis voilà Gasly qui aujourd'hui enfin c'est pas qu'aujourd'hui mais qui a une Red Bull voilà qui sera avec Verstappen voilà ça va donner encore des étincelles mais est-ce que Grosjean et puis Grosjean qui est toujours chez Haas après faut voir comment la Haas répond ouais, mais, parce qu'il a été embêté toute la saison par les problèmes techniques donc. On verra ça et le retour ça vous parle quand même de Robert Kubica vous connaissez quand même il a eu un grave accident et tout il revient il a un volant c'est Williams bon, il a un volant parce qu'il a amené un peu de thunes aussi faut dire que la F1 t'as un volant si t'amènes de l'argent c'est un petit peu comme ça que ça se passe donc très intéressant à suivre cette année le Grand Prix d'Australie. Donc voilà, on commence par. Va falloir se lever, hein, désolé pour ceux qui aiment bien. Et puis il faut avoir Canal aussi, c'est chiant ça. Il faut avoir toutes les chaînes. Si tu veux voir tous les sports, là tu raques. Ou alors tu regardes en stream. Tu regardes la Coupe de l'UEFA sur RMC. C'est gratuit ça. RMC Story. Ouais, c'est gratuit ça. Ouais. Ouais. Petite dédicace à Rennes. Hein, on est tous derrière Rennes, on espère que, non, que ça va le faire. Monsieur, quand même, Rennes, avant Stéphane. Et non, mais après Stéphane, je retire ce que j'ai dit depuis que Stéphane est arrivé. On est avec eux et puis il faut quand il retourne sa chemise. Il faut avoir des points. Je retire, je dis que depuis le retour, l'arrivée de Stéphane, l'équipe a complètement changé sa façon de jouer. Bon, on arrête la digression, retourne sur la F1. Oui, là c'est la F1. Donc c'est parti ce week-end. Donc comment ça fonctionne la F1 ? Vous avez les essais libres, vous avez ensuite les qualifs, d'accord ? Et après vous avez le Grand Prix pour ceux qui ne connaissent pas trop ce sport. Et voilà. Et puis cette année, il y a un truc supplémentaire. Celui qui fait le meilleur tour en course gagne un point.
Ah, très bien. C'est, voilà. Ouais, c'est un peu comme le bonus dans le rugby. Non, WRC. T'as aussi ça en fin de ah oui, comment j'allais dire de rallye. Tu as un, comment on appelle ça, crash, c'est pas crash test, hein, c'est crash, je sais plus comment, crash down ou je sais plus quoi. Et là, vous avez des points aussi à gagner. Donc ils ont fait ça et ça, c'est pas mal parce que voilà, les mecs qui vont essayer de m'a dit aller jusqu'au bout. Quoi. Avec une, il faut être dans le top 10 pour pouvoir gagner un point. C'est-à-dire que si t'es 15e et tu fais le meilleur tour en course, bah, en fait t'as rien. Une règle un peu spéciale. Tu peux répéter du coup ce que t'as dit par rapport au PLT là qui aurait pu intéresser nos chers amis. Bah, Ferrari, je pense que ouais, ils ont une longueur d'avance. Et je suis pas le seul à le penser. Ouais. Tous les experts un petit peu en Formule 1, que ce soit des anciens champions et tout ça. C'est ce qu'ils ont dit aussi. Alors après, en Formule 1, comment ça se passe, c'est que tu envoies des évolutions au cours de l'année. Donc ça peut après rééquilibrer la valeur, mais bon, aujourd'hui la value était sur Ferrari. Qui dit value sur Ferrari, bah dit value sur Vettel aussi, hein, forcément, parce que c'est lui le leader chez les rouges. Mais est-ce que ce serait pas l'année de Ferrari? Ça fait longtemps, ce serait bien de changer un peu la Mercedes, bon c'est bien, mais bon voilà, c'est bien aussi le renouvellement. Donc à voir, ça va être très intéressant et je vous dis, j'espère une victoire française cette année, ce serait quand même sympa de réentendre, enfin française ou monégasque, d'accord, ouais. Vous avez compris. On verra bien. Vous avez compris. On passe à la suite. Allez, c'est parti. Un petit mot de tennis assez rapidement, yes. Parce qu'on a du 6 nations et ça va nous prendre un petit peu de temps, sans compter vos pronos. Donc Indian Wells, qu'est-ce qu'on en retient? C'est pas terminé, la finale c'est dimanche, mais en tout cas chez les gars. Mon fils fait une belle perf. L'amour donne des ailes. Alors c'est un slogan d'une certaine marque de boisson, mais c'est aussi la vérité pour une certaine personne qui s'appelle Gaël Monfils. Voilà. Et stop. Voilà, tu n'iras pas. Hein, ce que tu as dit avant l'émission, en off, reste en off. Et Djoko, on en parle de Djoko. Djoko. Il est passé à côté de son match, ça arrive. Vous savez ce qui s'est passé ou pas? Raconte. Bah, pour moi, il s'était pris la tête avec quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux clans. Le clan Djoko et le clan Nadal Federer. Ils n'ont pas la même vision du tennis. En ce moment, Djoko, il vient de réussir à virer le grand chef, en fait, qui s'occupait un petit peu de tout ce qui était à l'ATP. J'ai une histoire de gros sous. Ils veulent juste plus de thunes, plus d'argent, un peu comme en NBA. En NBA, il faut savoir que c'est 50% qui est reversé aux joueurs. Aujourd'hui, en tennis, on doit être autour de 20, si je ne dis pas de bêtises. Ils veulent 50. T'imagines même pas. Déjà, que le prize money a été multiplié par 3 dans les grands tournois. C'est-à-dire déjà par 3, et les mecs ils n'ont pas assez d'argent. Après je veux bien, hein, c'est un business et tout, mais le problème c'est que si tu augmentes d'argent pour tous ces grands tournois, bah, tous les petits tournois ils vont mourir. C'est ça. Et après on va se plaindre encore qu'il y ait des... Bah, il n'y a pas de tournois, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argent, et puis après match truqué, tout ça. Info importante, dernière année que le Masters se déroule à Londres, bam, ça part au Japon l'année d'après. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que Paris-Bercy, qui était juste de tournoi avant Master, risque de mourir. Bah oui, personne ne va vouloir aller là-bas. Vive la France. Bah oui, parce que tu vas pas venir faire un tour à Paris, sachant que tu as la tournée asiatique. Enfin, là, tu viens à Paris et tu repars à faire le Master. C'est pas de la faute de la France là. Non, c'est pas la faute de la France. Mais je veux dire, c'est en ce moment, ce qui est en train de se tramer dans le tennis mondial, je sais pas où on va, mais il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Djokovic, pourquoi il a perdu contre Jabeur? Parce que je pense qu'il avait aussi tout ça, il avait autre chose que le tennis en vue. Et Gaël, mon fils, j'en avais parlé il y a quelques semaines dans mon club, j'avais dit, je ne me voyais pas forcément gagner Roland-Garros ou faire des grosses perfs. Parce que, dans sa tête, une fois qu'il est câblé bien, Svitolina, qui est donc sa copine du... Et d'ailleurs, c'est rigolo, ce Federer leur a fait une petite dédicace. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, il est arrivé derrière, il les a surpris. Et donc, c'est un peu le couple du moment. Et ils essayent de se tirer la bourre, quoi. Pourquoi tu regardes cette expression de merde? Ils essayent le couple du moment au tennis. 66 minutes inside. Bon, ça va. Et ils essayent de se tirer la bourre. Non, mais c'est vachement important parce que tu vois, ça fait partie des paris sportifs. C'est-à-dire que Gaël, mon fils, qui généralement il est pas tout seul dans sa tête, bah là il est recadré par sa copine. Il se tire la bourre. Svitolina est aussi qualifié pour l'écart à Indian Wells, et ils sont tout le temps quasiment, dans les tournois quand il y a hommes et femmes. En même temps, ils se soutiennent mutuellement et il vient de coller 6-0, 6-2 à Coach Schreiber. Si, c'est vrai. Excuse-moi, Coach Schreiber ne l'avait jamais battu. Qu'est-ce que je regrette de l'avoir lancé, là?
Pour sur... T'as vu, il est tout vénère là. On l'arrête plus. Non, je suis pas vénère. Il est content. Je suis passionné. Enfin, je voilà. C'est des infos qui sont vachement. C'est des infos qui sont. Mais non, mais c'est un gars quand même. Je suis désolé. Oui, je suis il avait le C'était le mec le plus physique. Il avait un potentiel de fou. Je vais pas dire qu'il est passé à côté de sa carrière parce qu'il a quand même fait une belle carrière. Mais voilà, il a. Oui, je sais. La montre. Ouais. Bah écoute, on fera des émissions de 5 minutes la prochaine fois. Ouais. Allez, on passe au rugby. Bon, ouais, on passe au rugby. C'est bon. Ouais, il veut encore enchaîner. Allez. Non, mais là, c'est pour lui. Là, c'est pour lui. C'est le rugby. Le rugby. L'apothéose avec un beau samedi de rugby. Mmh. On aura un beau lever de rideau. Par contre, j'avais pas eu l'info de Jacques Brunel qui voulait destituer Guirado. Ça sent pas bon. Enfin, franchement. Bah, c'est surtout le bon timing en fait, mauvais timing entre guillemets, puisque l'info sort dans la presse. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça augure pas des bonnes choses. Et de toute façon, ça rappelle récemment ce qui s'est passé au Brest-Bretagne Handball. Ouais, des sorties qui arrivent dans la presse. Pof, on sait pas. Il y a un comment. Mec qui doit être embauché. Il dit tiens, mais Jean-Michel Lataupe. Lui va sortir. De toute façon, moi je partais sur. Lui, tiens, j'ai pas envie qu'il continue. Il va dégager. Tiens, je l'écris. je partais sur un Italie avec un handicap alternatif parce que j'ai vois. Je vois vraiment pas se prendre un gros carton et il y avait des choses qui me plaisaient pas mal, style du je sais plus 16 plus 17 pour les francophones de l'étranger, bien sûr, un 40, enfin je trouvais ça pas mal à mettre dans un combiné parce que l'Italie à la maison, ils savent qu'on est prenable. Oui. Alors c'est toujours de pareil. Sur une victoire de. Non, je ne veux pas sur une victoire. Ah non, mais je pose la question. J'ai pris un handicap alternatif gonflé, si tu veux. Ouais. Mais après, je te. Une victoire de l'Italie n'est pas improbable. Non. Enfin, quand je dis ça, j'espère pas. Mais n'est pas improbable. Franchement. Non, vu ce que la France a montré depuis le début, ils peuvent avoir des bonnes périodes. Ils peuvent avoir des très gros trous. Surtout que tu joues en Italie avec ce qui se passe à l'extérieur. À mon avis, non, ça va être compliqué. Vous vous rappelez de l'Italie cette année ce qu'ils ont fait à domicile? Vas-y, rappelle. Ils n'ont pas été ridicules. Ils ont perdu contre le Pays de Galles 15-26 et ils ont perdu contre l'Irlande 16-26. Je dis ça, je dis rien. Et sachant que le Pays de Galles et l'Irlande. Ouais, c'est chaud. Par rapport à la France, c'est pas trop le même niveau quand même. Donc, je dis ça, je dis rien. Les Italiens, cette année, comme j'ai toujours dit, c'est l'ossature de Trévise. Qui se débrouille très très bien en championnat. Donc attention, malgré qu'ils vont être sûrement un peu émoussés parce qu'ils n'ont pas forcément le même, comment j'avais appelé ça, les mêmes bancs, les mêmes rotations que la France peut avoir. Mais Paris C, il va vouloir toujours nous taper comme d'hab. Et je dis méfiant sur ce match-là. Moi, j'irai pas sur une victoire d'équipe de France, mais je préfère prendre un handicap alternatif pour l'Italie. Aller sur une victoire de l'équipe de France. C'est risqué quand même aujourd'hui. Ouais, ouais. Un 24. Oh. C'est risqué. Non, voilà. Ça me plaît pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Alors, c'est le match levé de rideau. On fait jouer les poussins ou les U6 avant les grands. Hein ouais, avant les matchs importants. Peut-être qu'ils vont gagner. Important. Et là, bah oui, si vous pouvez regarder ce week-end un Pays de Galles-Irlande, écoutez, là, ça va envoyer, je pense, du lourd. Alors, on a un fidèle auditeur de Paris Gagnant qui nous parle du Pays de Galles depuis le début, Jean-Luc. Oui. Oui. Bravo, peut-être. Oui, peut-être. C'est ça. Alors maintenant, la question couvre pas. Qu'est-ce que tu fais avec. Ouais, tiens, tu nous marqueras ce que tu fais pour. Ouais, ce match pour qu'on se suive et pour qu'on voit si on pousse avec toi derrière le Pays de Galles. Non, j'avoue que le Pays de Galles, franchement, je les voyais pas. Après, pour moi, je vois l'Irlande gagner. Le match. Je vois l'Irlande gagner le match, ouais. Alors. Et je vois l'Angleterre foutre une pilée à l'Écosse et l'Angleterre remporter la Six Nations. Clair, moi aussi. L'Angleterre a une cote de 2 pour la victoire. Ah, finale. Victoire oui, finale. Parce que contre l'Écosse, c'est 1-0-8. Oui. Mais qui est très bonne à prendre quand même, à mettre dans un combiné. Mais Pays de Galles, Irlande, quand tu vois le match de l'Irlande contre l'équipe de France et l'Irlande se sont remis à l'endroit là. Alors c'est très très compliqué de gagner au Pays de Galles, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas, intrinsèquement, je vois l'Irlande gagner. Je sais ce que c'est l'ambiance de Cardiff, parce que comme je t'ai dit, j'étais à un match de Coupe du Monde et c'est.
Ouais, je pense qu'il va y avoir un 16e homme hein, derrière le Pays de Galles. Il parle que de ça dans la presse. Hein. C'est, en ce moment, oui. Les gros titres au Pays de Galles, c'est ça. C'est que ça, tout le monde. Je sais pas quoi, 80% ça, de la population. Avec ça, le Brexit, quoi. Hein. Avec ça, le Brexit. C'est quoi les codes de Pays de Galles? C'est 1,70 de 20, un truc comme ça. Alors par contre, sans rire, pour de vrai, les Britanniques, du côté des bookmakers, sont très optimistes pour un Brimain. Ah oui, que ça se passe pas bien. Non, parce que les bookmakers anglais parient sur tout. Tu peux même parier sur les présidentielles. On avait fait une époque, une émission. Oui, bien sûr. Et à l'époque aussi, Trump élu, c'était une cote de fou. Et elle était passée. Ouais. Et est-ce que l'Angleterre sort de l'Europe? Sortir de l'Europe, c'était outsider. Et ils ont gagné. Donc, tu vois, c'est un truc de fou. Mais, tout ça pourquoi donc, si je peux vous dire, Pays de Galles, la cote monte. Pays de Galles, la cote monte. Irlande, la cote baisse. Voilà. Là, donc l'argent est en train d'appuyer un peu sur l'Irlande. Mais c'est vraiment un match indécis. Moi, si j'avais quelque chose à prendre là-dedans, ce serait Irlande avec un handicap positif un peu plus haut que ce que donnent les books, style un plus 11-12. Voilà, parce que je ne les vois pas perdre plus de 10 points d'écart. Voilà. Donc, ils vont récupérer, je crois aussi. Alors, je ne sais plus. Un ou deux joueurs, Carnet, je crois, un truc. Enfin, je sais plus, il faut que je re-regarde, mais en tout cas, voilà, très beau match à regarder. Et puis en plus, si jamais l'Irlande va le Pays de Galles, bah, l'Angleterre, eux, faut gagner contre l'Écosse pour décrocher le tournoi. Donc deux matchs sympas. Ça va être beau. Sympa à regarder, ouais. Et peut-être une surprise en levée de rideau. Voilà. Tu joues, non? Moi je fais une pause là. Je suis en pause dépression là. Ouais, déjà, moi samedi j'ai autre chose à regarder. Hein. Ouais. T'as pas le droit d'y aller. J'ai pas le droit d'y aller. Ah oui, non, Lorient Brest, les supporters brestois sont interdits à Lorient, c'est un truc de fou. Tu vas avec ton maillot de Lorient ou je sais pas si t'en as. Mais... T'as un peu le chat noir, parce que depuis que tu joues Brest, ils sont pas terribles. Non, ça va. Il y a deux paris qui sont passés sur Brest. Ah, d'accord. Mais le dernier. Aïe. Comme disait quelqu'un, il vaut mieux perdre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. Et ça, c'est valable pour les paris. Hein. Ouais, c'est la même chose. Non, bon, voilà. Ouais. Je ne sais pas qui a dit ça, mais... Bon, vas-y, enchaîne. Enchaîne. Vous faites des citations, mais on attend les auteurs des citations. Non, mais là, je sens, bon, Pierre-Yves, il est complètement... Depuis tout à l'heure, il est perdu. Il est derrière son truc, là, comme ça. Il rigole, il sait pas ce qu'il... Non, mais là, toi, tu te venges du taquet de tout à l'heure. Je t'arrête tout de suite. Quel taquet. Là, quand je t'ai interrompu de manière... Je veux te parler un truc sur le tennis. C'est le seul mec intelligent de l'émission, laisse-le parler. Ça va. J'ai regardé un... Surveiller bien, pour le reste de la saison. J'avais déjà parlé d'Osaka et de Sabalenka l'année dernière. Pour gagner un titre du Grand Chelem, c'est ça? Benkic. Benkic, elle a plus de problèmes de... Elle a eu des gros problèmes de blessures. Elle en a plus, elle revient. Elle enchaîne son 10e match sans défaite. Et excusez du peu, elle en a battu du monde, Alep et des gens comme ça. J'ai pas trop regardé encore ses cotes pour différents grands chelems, mais il faut savoir qu'elle a que 22 ans. Hein. Elle a arrêté un an à cause des blessures. Quand elle avait 18 ou 19 ans, elle était 7e mondiale. Là, elle est arrivée 23e, non, c'est là, elle va encore monter. C'est vraiment quelqu'un, une fille, elle est suisse. Suisse, tiens, FedEx. Tu vois, c'est, mine de rien, la Suisse, c'est un petit pays au niveau du tennis. Je peux te dire que ça envoie du lourd. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle vient d'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matchs d'affilée. Elle a battu Osaka, elle a battu Kvitova, elle a battu Svitolina, elle a battu Alep, elle a battu Sabalenka, elle a battu. Voilà. Grosse, que du gros top 10. Voilà, à suivre. Elle est 23e mondiale. Il faut regarder les cotes de Grand Chelem, mais elle va pas tarder à en gagner aussi, ça c'est sûr. Le fond de la question, voilà, c'est de savoir avec qui elle sort, en fait, non? Non, c'est valable que pour mon fils. Mon fils, il a besoin d'être recadré. Et tous les spécialistes un peu tennis ont du mal avec mon fils, parce que c'est quelqu'un qui peut battre tout le monde et se faire battre par tout le monde. Mais dès qu'il est câblé, dès qu'il est bien, en fait, il envoie du lourd. Et en ce moment, c'est l'amour. Donc voilà, l'amour... Donc tu peux gravir des montagnes. Est-ce qu'on est obligé de faire des pronos avec une fin comme ça? Mais écoute, ça fait... la psychologie, moi j'ai toujours du mal avec le tennis. La psychologie, c'est 60% de la réussite. Non, mais j'ai du mal au tennis parce que le tennis, c'est un contre un et tu sais jamais ce que le gars a dans la tête. Si mon fils, tu sais qu'il est bien câblé, et là c'était un test contre Coach Schreiber qui a sorti Djokovic, s'il lui mettait une rouste à Coach Schreiber, il vient de lui mettre 6-0, 6-2. Enfin,
Voilà, à suivre mon fils pour... Par contre, dès qu'il va rompre, oubliez-le, hein, jouez contre lui. Tu rigoles, mais c'est vrai en plus. Bref. Donc voilà. Suivez le closer, en gros. Voilà, achetez voici. Allez, vos pronos, les gars, pour terminer l'émission. Allez, je vas-y, commence. Dame, ouais, Damien, tu fais synthétique, parce que ces derniers temps, je trouve que t'as été un peu long en termes de pronos. C'est bon, c'est donc bon. Donc développe, va à l'essentiel. Allez, on y va, c'est parti. Je vais aller sur un match... Caen Saint-Étienne. Et oui, Caen. Alors, c'est pas en faisant Caen Saint-Étienne que tu vois. Ça fait rêver. Ouais, voilà, que tu. Hein non, Caen... Tu surjoues pas trop le truc quand même. Allez, Caen Saint-Étienne. Saint-Étienne, match nul remboursé. Caen, c'est deux victoires à domicile cette saison. La dernière date de début décembre 2018. C'est la 19e équipe à domicile. Elle a marqué. Combien elle a marqué de points ? Elle a marqué 7 points à domicile, 12 buts marqués, 18 encaissés. Saint-Etienne, 13e équipe à l'extérieur, 12 buts inscrits, 22 encaissés. Voilà, je vois pas du tout comment Caen va réussir à faire quelque chose. Donc Saint-Etienne est 1,41. Voilà, je la prends. À noter peut-être aussi. En sec ? Non, match nul remboursé, j'ai dit. Ah ouais, match nul remboursé. À 1,41, franchement, Caen, Courbis qui est arrivé, qui sert à rien, qui va prendre un billet. Oh, bah d'accord. Non, mais il a fait la même chose à Rennes il y a quelques temps. Il est venu, il a pris un billet, il sert à rien. Non, voilà, Caen va, franchement, va descendre, c'est quasiment certain. Vu le jeu qu'ils produisent, vraiment, c'est merdique et ça me fait mal au cœur de dire ça. Un petit canet là qui parle. Bah écoute, j'ai joué 15 ans là-bas. Je veux que je fasse. Non, mais c'est bien de parier contre son équipe de cœur. Ça ouais, prouve ouais, que... voilà. Donc voilà, Saint-Etienne 1,41. Mais à faire attention quand même parce que Cazeri ne sera pas du voyage. Il a pris 3. Ah ouais. Ouais. Mais bon, Caen a 3 ou 4 blessés aussi. Là, vous voyez à la tête de Benoît que. Ah non, mais Cazeri, c'est 50% Saint-Etienne, c'est juste pour ça. Mais ouais. T'es sûr qu'il est suspendu là, qu'il n'est pas suspendu? Non, justement, j'ai regardé. Parce que des fois, c'est ça décalage. Voilà. C'est pour ça. Okay. Et sinon, j'en aurai d'autres, mais je pense que je les mettrai dans les commentaires parce que les codes ne sont pas encore sortis. Ça sera de la LFH, ça sera sûrement du Toulon-Saint-Cyr-Besançon, du Brest-Chambray. Et du Metz Fleury, voilà, je les mettrai dans les commentaires de la vidéo parce que pour l'instant, on n'a pas les cotes. Mais il y aura des choses intéressantes à jouer. Je suis embêté parce que j'ai pas réussi, les cotes ne sont pas sorties, mais je peux quand même vous en parler parce que... Attends, c'est du volet. Oui. Oh putain, Quimper fin. Ouais. Ouais. Non mais toi t'as lu la conversation qu'on a fait hier, c'est facile. Le mec qui essaye de surpasser pour un devin. C'est son mec, il fait attention. Ah oui, t'es dans le groupe aussi. Tu t'es fait griller, il suit tous nos trucs et l'autre il va dire « Ah ouais, j'allais dire, tu vas pas répondre. » Non mais en fait c'est parce qu'on a discuté hier soir truand. Et il a lu dans le truc. Vous avez compris le truand de l'émission, qui c'est? C'est le gars là-bas, le barbu dans le fond là. L'imposteur. Je m'explique, Quimper a bien galéré parce qu'ils ont enchaîné plein de blessures de joueurs importantes. Elles sont toutes revenues là le dernier match et d'ailleurs je me suis fait un peu prendre par ça parce que j'ai eu l'info que quelques heures avant le match je les voyais, je pensais qu'elles allaient vraiment prendre une branlée à Nantes parce qu'elles sont allées jouer à Nantes, Saint-Raphaël, Saint-Raphaël qui venait de gagner la Coupe de France. Et je m'étais dit, quand tu gagnes la Coupe de France, t'es euphorique, t'as fait la fête, t'as pas trop concentré. Enfin bon, bref. Et j'avoue que là, voilà, j'ai pas assez à analyser. Et surtout quand j'ai eu l'info, je me suis dit, putain, mais Quimper, en fait, elles peuvent créer l'exploit. Elles ont créé l'exploit, elles ont gagné 3-2 là-bas, la côte à 8. Voilà, parce qu'elles ont récupéré toute l'équipe et là elles jouent contre eux. Elles sont 13e, elles jouent contre le 12e. Si elles les battent, elles sortent de la zone rouge. C'est Quimper contre Chamalières. Me demandez pas aussi Chamalières, je peux regarder, je peux pousser. Quelqu'un sait? Non, vous ne savez pas. Wikipédia. Oui, Wikipédia. Et j'attends vraiment la cote de ce match et j'attends aussi les 7 handicaps. Et j'attends, voilà, j'attends tout ça parce que pour moi, Quimper va battre Chamalières. Elles ont vraiment retrouvé toutes leurs joueuses et je vois pas Quimper perdre ce match là. Donc j'attends les cotes. Et surtout les handicaps aussi au niveau des 7 avérages et des points avérages. Il y a quelque chose sûrement à faire dessus. Et au niveau du hand, c'est un petit peu comme toi aussi. Malheureusement, les cotes ne sont pas sorties. Mais je pense qu'il peut y avoir des petites choses à faire comme hier.
Hein, Metz qu'on met à 1,25 ou à 1,20 à Nice, laisse tomber. Cadeau. Et le Nantes aussi, qui était outsider à Paris 92. Paris 92, ils sont décimés par les blessures. Et nous, on a un Brest-Chambray, comme tu dis, Brest-Chambray. J'attends les codes vont être ridicules, mais est-ce que Chambray avec un joli handicap positif serait pas bon à prendre parce que on peut donner Amandine Tissier qui a pris un coup au niveau de la jambe sera peut-être pas là et voilà. Quoique Darlot est revenu, hein. Et Darlot elle a sauvé le match. Ouais, mais bon, on a pas de demi-centre. Peut-être qu'Alison Pido. Voilà. Une toute petite question en regardant le classement de volley là chez les filles. Je voyais bon dernier, France Avenir 2024. Qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe, c'est marqué pour les Jeux Olympiques. Je crois que c'est le pôle espoir ou un truc comme ça. Ils ont une équipe pour faire jouer les jeunes. D'accord. C'est ça. Par contre, elles ont gagné qu'un match. Hein. C'est ça. Elles perdent tout le temps. Mais t'as le droit de faire ça. Ouais. Elles perdent tout le temps. C'est ça. Donc, je crois que j'ai déjà vu ça aussi, je crois, au hockey sur glace, mais c'était pas en première division. Il y avait des choses comme ça. Écoute. Alors, je suis pas allé voir. Tu peux parier contre elles toute l'année ? Je vois pas pourquoi. D'accord, non, mais c'est un truc à savoir quand même. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Mais je te dis par exemple le dernier match. Bon, par contre, attention, c'était 1-0-3. Mougin contre France Avenir Mougin qui est avant-dernier. La cote est 1-0-3. Ah ouais, ça fait des. Donc je te raconte pas les cotes qu'elles ont. Mais bien sûr. Alors, ça, c'est des cotes value 1-0-3 finalement. Du coup. C'est des cotes de. C'est value 1-0-3 si elles perdent tout le alors, temps. Alors. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais pas tout le temps, ils ont gagné un match et contre qui ? Chamalières ! En début de saison, à Chamalières, elles ont gagné 3-1. C'est pour vous dire que voilà, j'attends vraiment les cotes avec impatience. Et la cote de Chamalières était 1-0-3. Elles ont été gagnées là-bas 3-1. Bref, donc voilà, je suis désolé, je ne peux pas vous donner les cotes, mais en tout cas, voilà, je préfère vous donner les infos. Pareil, j'aime bien l'Italie avec un handicap positif autour de 17-18 points, là, une vingtaine de points, même ce serait bien si vous l'avez. Je ne vois pas gagner 3 essais transformés, c'est-à-dire 3 fois 7, 21. L'Écosse, l'Angleterre en 5-1-0-8 dans un combiné, ça, vous le prenez tous les jours, même si Togé, mon joueur préféré, encore blessé. Bon, bref, c'est pas grave, il y a du monde quand même pour le remplacer. L'Écosse, ça tiendra pas physiquement, voilà, de toute façon. Même si c'est un match pour du beurre, les Anglais vont pas vouloir perdre à la maison contre l'Écosse. Et l'équipe de. Et l'Irlande, je vois aussi l'Irlande avec un handicap positif, 10, 11, 12 points, là, me paraît intéressant. Donc voilà, vous faites un petit peu votre sauce, vous pouvez combiner des choses comme ça. Et pour moi, c'est intéressant. Merci beaucoup les gars, on arrête cette émission, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et là, Ben, tu vas encore... Non, petit coucou à Marc de Corse. Voilà, il m'a dit, fais-moi une dédicace, je fais une dédicace. Ouais, très bien. Oh là, okay. C'est fait. Et puis en plus, c'est sympa la Corse. Ouais. Très beau, ouais, franchement. Le Sporting Club de Bastia manque quand même un petit peu à la L. Ça va revenir, ils dominent leur championnat, t'inquiète pas, ça remonte. Ça va pas tarder. Un petit Bastia-Brest. Hein. Ouf. Non, c'est bon. Bastien nous a fait gagner de l'argent en Coupe de France cette année. Oui, merci aux Corses, merci à vous. Ouais. Voilà. Bon, sympa la dédicace. Bon, tout cas, commentez la vidéo si vous avez des questions. Ouais. On va suivre Jean-Luc en commentaire. Donc, oui. Jean-Luc, manifeste-toi. Allez, hein, sur le pays tu fais quoi ? Tu te couvres, tu te couvres pas. Voilà. Et puis le petit pouce bleu aussi au passage. Si votre souris traîne dans un coin de la vidéo, là, mettez. Hop, ça peut être intéressant. Un petit pouce bleu, c'est toujours bien. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Salut à tous, Kenavo, bye bye, ciao. Ciao. Pariez gagnant, émission de sport et du pari sportif.